Deux légendes attachées à la construction de l'église. Et Serpent d'Isabie qui dit qu'après, un jeune homme du village ait débarrassé la contrée du dragon qui l'a désolé. Ses compatriotes utilisèrent les côtes du monstre pour soutenir les voûtes de leur sanctuaire. Mais la grêle tomba dès lors sans relâche sur le pays et ne cessa que lorsque les villageois eurent remplacé ces arceaux maléfiques par des matériaux plus traditionnels. Autre croyance liée à une pierre, conservée dans l'église que l'on sortait par temps de sécheresse pour la plonger dans l'eau, la pluie était alors assurée.